night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Domination hardcore. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 2. Donc si j'ai choisi Black Ops 2 aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que je veux aujourd'hui entamer un petit sujet sur Call of Duty Black Ops 3, donc le futur Call of Duty qui a été annoncé grâce à un trailer il y a quelques jours. Donc tout le monde se doutait que c'était Black Ops 2 suite aux différents teasers qu'ils ont pu et aux différents snaps qu'ils ont pu dévoiler sur internet. Donc grâce à ça, on a pu imaginer, sans avoir la certitude officiellement que c'était Black Ops 3, que le prochain Call of Duty du coup serait un Black Ops 3. Donc grâce à ce trailer de la bande-annonce solo, on a pu en quelque sorte, enfin bande-annonce solo principalement, et quelques images sur le multi et le zombie. Et grâce à cela, on a pu avoir la certitude officiellement que le prochain Call of Duty serait donc un Black Ops 3 qui sort le 6 novembre 2015. Donc aujourd'hui, je vais pas faire comme les autres youtubeurs à faire une analyse du trailer. Moi, je vais parler d'un sujet, on va dire, un peu plus général. Donc un petit avis de ce que je pense et peut-être un truc que vous aussi vous pensez, mais que aujourd'hui peut-être peut proposer problème à la communauté. C'est peut-être pour ça qu'on a la communauté a après fait que critiquer le jeu, etc. Donc c'est sur les annonces des Call of Duty en avance. C'est vrai qu'on est qu'au mois d'avril et Black Ops 3 a déjà été annoncé alors que Advanced Warfare est sorti il y a que 6 mois. Il nous reste une moitié de l'année à faire sur Advanced Warfare et on en a déjà plein la tête avec Black Ops 3. C'est vrai que je trouve que c'est pour ça que j'ai mis en titre d'ailleurs plus de surprises sur Black Ops 3. C'est vrai qu'on se retrouve avec un jeu qui commence déjà à être dévoilé, on commence déjà à avoir le contexte, on va être dans un contexte plutôt futuriste avec du coup une histoire solo du moins qui sera futuriste comme un peu à la Black Ops 2, mais sur je crois que Black Ops 3 va être beaucoup plus futuriste. C'est vrai que Black Ops 2 on était sur les années 2025, là on va être sur les années 2060 et c'est vrai qu'on a l'impression grâce au trailer que ça va être encore futuriste parce qu'on peut avoir des aperçus sur des personnages assez robotiques, donc c'est-à-dire à base de robots, etc. Et c'est vrai qu'ils ont essayé de le dire grâce aux différents teasers qu'ils ont mis, qu'on serait plus sur un Call of Duty avec des nouvelles technologies, etc., qui serait avec un gameplay plus fluide. Donc ça, c'est un peu des petits avantages, c'est d'avoir un gameplay plus fluide. Ce qui a fait peur, c'est les différents mouvements apparemment qui vont apparaître. Donc ça sera pas de l'exosquelette, mais ça va y ressembler, mais ça sera pas de l'exosquelette, c'est à dire que ce sera beaucoup moins facile à utiliser, on sera plus sur des mouvements beaucoup plus techniques à réaliser. Donc ça peut être un vrai bonus. Et c'est vrai que ça a une durée limitée, c'est pas comme le double saut d'Advanced Warfare où tu peux en faire tous les 10 secondes quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on va être sur un mixte d'Advanced Warfare, hein. C'est vrai qu'on est sur un contexte futuriste encore une fois. Bon, après moi je m'attendais plus, j'aurais vraiment aimé qu'on soit sur plus du World at War, tout simplement pour avoir peut-être un truc sur la Seconde Guerre mondiale. Moi je m'attendais à un truc comme ça, parce que c'est vrai que le gameplay futuriste, pour rien de vous cacher, c'est pas ma tasse de thé, j'aime pas trop ça. Enfin, j'appelle pas ça un Call of Duty, pour moi c'est plus du Call of Duty. Après, c'est vrai que le multijoueur, en quelque sorte, il peut être excellent, mais c'est vrai que le mode solo, normalement, un Call of Duty, c'était fait pour faire la guerre froide, la seconde guerre mondiale ou la première guerre mondiale, un des trucs comme ça. Ils nous le mettent en 1080p, mais c'est parfait. Après, c'est sûr que Black Ops 2, comme tout le monde le dit, c'était un jeu futuriste, pourtant de 2025, le mode solo était plutôt futuriste, et pourtant, le multijoueur a très bien marché, c'est le Call of Duty qui a le mieux marché dans toute la licence. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu retournes sur PlayStation 3 et que sur PlayStation 3, tu peux retrouver certains soirs, certains week-ends, par exemple, à plus de 200 000 joueurs connectés au moment où tu te connectes, quoi. Donc ça veut dire que quand même, si tu comptabilises la Xbox 360, qui est aux alentours des 200 000 aussi, et quelques joueurs sur PC, il y en a moins, on est autour des 500 000 joueurs sur Black Ops 2 au jour d'aujourd'hui encore. Et sur Advanced Warfare, on est 100 000 et sur Ghost, on est 30 000. Quoi. C'est vrai que grâce à ça, on peut quand même admettre que Black Ops 2 a fait vraiment une réussite. Et donc c'est vrai que aussi grâce aux zombies, ça a permis de faire vraiment une grosse réussite. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, les annonces du trailer, etc.,
font qu'on se retrouve avec un Call of Duty qui est dévoilé trop tôt et déjà la communauté est déjà en train de se plaindre alors qu'ils n'ont même pas touché au jeu. Donc c'est vrai que ça, bah voilà, après on a le droit de se faire une première idée, mais je trouve assez rapide de faire une première idée aussi vite que ça, sachant qu'on n'a pas touché au jeu. Seul Monsieur le V12, donc YouTube, grand youtubeur français, a eu le privilège d'y jouer un tout petit peu aussi multijoueur. Et c'est vrai que quand même, ce qui fait la réussite de Black Ops 3, c'est comme tout comme Black Ops 2 et Black Ops 1, ça va être le retour du mode zombie, donc qui a été annoncé. Et la vraie, comment je vais pouvoir vous dire ça, et la vraie réussite que va faire Black Ops 3, et c'est pour ça que certains joueurs vont l'acheter juste pour ça, c'est le mode zombie. Donc avec l'annonce d'un zombie campagne, donc c'est-à-dire qu'on sera plus sur un zombie, on sera plus sur un zombie traditionnel, mais on sera sur un zombie que je vais pouvoir vous appeler ça. Un zombie mode campagne, donc c'est-à-dire qu'il y aura un mode histoire sur le mode zombie. On sera plus sur un mode zombie classique où il y aura juste des manches à défier et faire le plus grand nombre de manches. On sera sur une histoire, un peu comme un mode solo, où en fait, bah, on va avoir une histoire tout au long du mode Call of Duty. Ça peut être une histoire sur la guerre froide, où on va avoir une histoire de zombies. Donc ça peut être un élément qui peut vraiment apporter du renouveau. Donc c'est vrai qu'à partir de ça, ça peut être quelque chose de bien. Donc je vais revenir un peu au sujet que j'avais quand même envie d'aborder, parce que là, je suis plus sur du descriptif de Black Ops 3 que sur du... que sur comment je vais vous appeler ça, que sur l'analyse de ce que je voulais faire. Donc c'est vrai que du coup on a plus de surprises de Black Ops 3. C'est vrai, normalement un jeu, il faudrait lui apporter le moins de, comment je vais pouvoir vous dire ça, le moins de détails possible. C'est vrai que là déjà on sait déjà que sur qu'on sera dans un contexte futuriste, comme je vous l'ai dit, que on aura la présence de mouvements dynamiques, etc. Si déjà peut-être que Treyarch n'aurait pas mis, il devrait mettre les trailers plus tard. Moi c'est ce que je dis, il devrait mettre les trailers un mois à l'avance. Un mois avant la sortie du jeu, pour que les gens ne... Parce que là, les gens sont déjà en train de se plaindre. Et ça peut apporter, comment je vous dis ça, une mauvaise clientèle. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient ça, ils se disent, bah, ça sert à rien d'acheter le jeu, donc on va pas acheter le jeu. Bon, après, c'est sûr que c'est le mode solo. Moi, j'attends vraiment de voir le trailer du mode multijoueur. Donc, qui là, où je pense, si ça ressemble à du Black Ops 2, ça en vaudra vraiment le coup. Moi, je dis pas que Black Ops 3 sera un mauvais jeu. Très, très loin de là. Mais c'est vrai qu'on est très, très futuriste, quand même, à la vision du trailer qu'ils ont pu mettre. Donc c'est vrai que ben voilà, il y a des questions à se poser. Et puis comme je voulais vous le dire, certes l'avantage c'est qu'on aura des déplacements qui seront beaucoup plus difficiles à effectuer, c'est-à-dire qu'il y aura un jetpack apparemment. Et ce jetpack, l'avantage c'est que là on sera plus à faire un double croix comme sur Advanced Warfare. Pour faire un double saut, là il faudra jouer avec la touche croix, rester appuyé dessus pendant plusieurs fois pour que le jetpack augmente. Mais le problème c'est que vous n'avez plus le doigt sur le joystick pour contrôler la vision de votre arme, donc du coup ça peut être déstabiliseur. Et vu que c'est à durée limitée, et ben ça permet de limiter aussi l'usage de ce phénomène. Donc, du coup ça peut être un bon point. Donc c'est vrai que du coup aussi il y a les annonces trailers qui permettent de plus avoir de surprise sur Black Ops 3. Il y a les événements comme l'E3, comme la Gamescom, comme la... Bon, la Paris Games Week, on peut pas le mettre dedans parce que c'est à 3 jours avant la sortie du jeu, donc ça, c'est pas très grave. C'est vrai que l'E3 et la Gamescom qui sont qui arrivent 4 mois en gros avant la sortie du jeu, bah, le problème qu'il y a, c'est que du coup, ces événements-là, ils permettent aux joueurs d'y jouer. Et du coup, bah, quand on achète le jeu, tout jeu si on le connaît pas par cœur, tout jeu si, voilà, c'est comme si on l'a déjà eu entre les mains pendant plusieurs jours, donc du coup, bah, on a même plus de surprise sur le jeu et ça permet peut-être de lasser beaucoup plus les gens. Et c'est ce que je remarque sur Advanced Warfare. C'est peut-être pour ça que les gens n'auraient eu ras-le-bol d'Advanced Warfare, c'est que les gens ont tellement entendu parler avant la sortie du jeu qu'ils ont eu un bourrage de crâne. Et les gens, quand ils ont lancé le jeu, et ben ils connaissaient par cœur Advanced Warfare. Moi je vous le dis franchement, quand j'ai acheté Advanced Warfare, avec tous les vidéos YouTube que j'avais vues avant la sortie du jeu sur Advanced Warfare, je connaissais la map Biolab, on l'avait tellement vue, je la connaissais par cœur dès ma première partie d'Advanced Warfare. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Ça veut dire que le nombre d'informations qui font avant de sortir le jeu est vraiment très important et presque trop important. Donc du coup ça peut vraiment poser problème après, parce que ça lasse beaucoup plus vite les gens, parce qu'ils connaissent vite tous les trucs qu'on peut réaliser. C'est vrai qu'avant la sortie du jeu on savait qu'il y avait des doubles sauts, il y avait des exosquelettes, qu'on était dans un monde futuriste, que le multijoueur, on connaissait tous les cartes pratiquement, on connaissait tous les modes de jeu. C'est vraiment impressionnant. Bon, après c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui ça s'est développé. C'est vrai qu'avant un Call of Duty il était je pense hein, depuis Black Ops 2, je trouve que on est sur des Call of Duty qui sont annoncés de plus en plus tôt. D'habitude c'est au mois de
mai-juin. Et là, t'as vu, on est fin avril, ils nous ont déjà annoncé le prochain Call of Duty, alors qu'on est que à la moitié d'année de notre software. Il y a vraiment un problème quelque part. Et bah voilà, ça, à avoir des visuels du jeu trop plutôt que prévu, ça permet d'apporter vite des critiques. Et c'est à ce moment-là que j'arrive quand même aux avantages, parce que ça a quand même des avantages aussi de peut-être de sortir une alpha ou une démo comme vous voulez, parce que c'est pas une phase finale du jeu là qu'ils ont montré, c'est vraiment une alpha, donc c'est-à-dire c'est un premier aperçu de à quoi va ressembler le jeu. C'est vrai qu'un trailer c'est des sortes de cinématiques, c'est pas vraiment, il y a quelques phases de jeu qui sont réalisées par des joueurs, mais il y a quand même des phases de cinématiques. Donc c'est vrai que après voilà, on peut pas se donner une aperçu tant qu'on n'a pas touché au jeu, on peut pas dire un avis sur le jeu quand du moment qu'on n'a pas pris la manette et qu'on a fait une bonne heure de jeu dessus. On peut pas donner un avis comme ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui critiquent beaucoup. Moi, ce qui me dérange juste, c'est le mode futuriste, donc avec les mouvements dynamiques. C'est le seul truc qui me dérange, parce que c'est vrai que sur Advanced Warfare, j'ai beaucoup de mal à sortir du gameplay. Et c'est pour ça que je vais te faire une vidéo plus tard après. Pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos sur Advanced Warfare? C'est tout simplement à cause de ces exosquelettes, etc. Ces mouvements dynamiques permettent aux joueurs débutants de killer des gens qui ont quand même de l'expérience sur Call of Duty, tandis que moi, tu me mets sur un Black Ops 2 ou sur un MW3, il y a aucun problème. Je vais pas me vanter, mais je sors plus rapidement de la nucléaire et plus rapidement des gameplays que sur Advanced Warfare, où il y a des doubles sauts dans tous les sens, les joysticks qui sont complètement dégommés à rester appuyé dessus, etc. Et c'est vrai qu'il y a un gros avantage qui va arriver sur Black Ops 3, c'est l'arrivée du sprint illimité, donc ce qui permettra d'appuyer une seule fois sur le joystick et de courir illimité tant que tu peux courir, quoi. Donc voilà. Donc l'avantage que je voulais dire quand même d'annoncer un Call of Duty en avance, surtout Black Ops 3, c'est d'avoir quand même le point de vue de la communauté. C'est vrai que les gros youtubeurs, je pense qu'ils sont quand même, comme Monsieur Vedou, je pense qu'ils sont suivis par les par Triash, etc. Je pense, hein, ça reste qu'une hypothèse, et je pense que du coup ça permet, suivant ce qu'a dit le youtubeur, peut-être d'améliorer certains points et de voir les commentaires aussi que met les abonnés pour voir ce qu'ils voient et ce qui ne va pas, vu que c'est une version alpha et vu qu'ils présentent cette version 5 à 6 mois à l'avance, ça leur permet peut-être d'améliorer le jeu pendant ces 5 prochains mois, de telle sorte à peut-être avoir un Call of Duty qui soit un peu plus perfectionné qu'à la base, si jamais il n'y aurait pas eu ces trailers, etc., pour le montrer à la communauté lors de sa sortie. C'est vrai que sur Black Ops 2, on a vu un trailer, je crois, un trailer sur le solo, un trailer sur le multi. Donc c'est ce qu'il va y avoir sur Black Ops 3. Là, il y a eu le trailer plus solo, et il y aura le trailer multijoueur qui va arriver très prochainement. Je crois qu'il va arriver vers le mois de mai, un truc comme ça. Donc du coup, c'est vrai que moi, j'attends impatiemment le mode multijoueur. Heureusement, le mode solo, c'est vrai qu'il n'est pas joué par grand monde de la communauté, quoique cette année, grâce à Black Ops 3, on aura la possibilité de jouer en coopération. Donc ça, et j'ai déjà des idées pour le mode coopération, c'est-à-dire que les abonnés viennent jouer avec moi au mode solo et qu'on fasse une vidéo, par exemple, quand Black Ops 3 sortira et que j'aurai peut-être des abonnés sur PS4, et ben à ce moment-là, je demanderai à 3 abonnés de venir avec moi pour qu'on soit à 4 à jouer au mode solo et faire une vidéo pour la poster sur YouTube. Je pense que ça peut être sympa, sachant qu'on m'a dit dans mes dernières vidéos que il faudrait que je fasse participer mes abonnés, et ça tombe super bien de mettre ça en place, d'avoir un mode solo coopération, ce qui permettra de faire participer mes abonnés que je ferai le mode campagne au lieu de le faire tout seul, tout simplement. Donc voilà, donc c'est vrai que sur Black Ops 3, il y aura un mode campagne coopération. Donc ça, c'est jamais arrivé, je crois. Donc je pense que c'est un excellent point, ça permet, parce que je pense que la plupart de la communauté ne fait pas le solo, tout simplement parce que ça joue tout seul, et c'est vrai qu'on achète plus Call of Duty pour son mode multijoueur, pour avoir une relation sociale, jouer avec ses amis, etc. Donc je pense que le mode solo peut apporter un peu plus de monde avec cela. Donc voilà. Et c'est vrai que il y a plus de surprises aussi, tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur Black Ops 3 par exemple, il y aura encore moins de surprises aussi pour ce Call of Duty, parce qu'ils vont mettre en place une bêta pour ceux qui précommandent le jeu. Donc ça, c'est... Selon moi, c'est un bon point. Ça, franchement, je peux pas le dire, c'est un bon point de mettre une bêta. Déjà, pour les youtubeurs, ça va pouvoir leur permettre de faire des audiences, parce qu'ils vont poster des vidéos découvertes de Black Ops 3 en avant-première. Donc du coup, ça permettra d'avoir de l'audience sur YouTube pour les youtubeurs, mais ça permettra aussi aux joueurs d'avoir un premier ressenti sur le jeu. Et est-ce que ça, vu qu'ils l'auront précommandé, ils sont malins, les Gold Triers, du coup, ils seront obligés d'avoir le jeu en main après, parce qu'ils l'auront précommandé, donc acheté. Et c'est vrai que la bêta, du coup, ça pourra avoir une avant-première sur le jeu, à quoi s'attendre sur le jeu, et peut-être avoir un avantage lors des premiers jours sur Call of Duty Black Ops 3,
parce que ceux qui auront touché la bêta auront déjà quelques maps multijoueurs, par exemple, qu'ils auront déjà joué dessus, donc connaîtront peut-être un peu les maps. Sachant que la bêta va durer 15 jours, donc du coup, ils auront vachement le temps de s'approprier les maps qui seront disponibles, sachant qu'il n'y aura pas les maps en totalité à 100% qui sont disponibles, seulement quelques maps. Mais ces quelques maps, ils les auront peut-être prises en main et pourront, lors des premières games multijoueurs, pouvoir avoir une avance sur les ennemis parce qu'ils connaîtront les spawns, etc. Donc déjà, avoir un premier aperçu. Mais c'est vrai que voilà, je voulais juste faire un tour là-dessus, c'est que au jour d'aujourd'hui, sur Black Ops 3, il n'y a plus de surprises. On se retrouve avec... sur Black Ops 3, depuis Black Ops 2, j'ai l'impression, on se retrouve avec beaucoup de trailers, beaucoup de teasers, beaucoup. C'est vrai que s'ils auraient laissé des petits teasers comme ils avaient mis au départ avec des petits logos Snap là, pour voir des petites vidéos de 20 secondes qui ne donnaient pas d'idée sur le prochain Call of, mais qui laissaient en suspens entre un World at War et un Black Ops 3 parce qu'on était aux alentours de ça, et ben là franchement ça aurait valu le coup. Moi je dis qu'un jeu il devrait pas être dévoilé avant son jour d'ouverture. Ça permet de garder du suspens parce que là voilà, tout le monde sait qu'il y a Black Ops 3. L'avantage c'est qu'on sait à quoi s'attendre comme jeu. Je pense que c'est un jeu qui va en valoir le coup vu le succès qu'a fait Black Ops 2, mais il n'y a plus de suspense, c'est ça, il manque de suspense. Et le problème c'est le trop d'images et de cinématiques. C'est vrai qu'on va avoir 2 à 3 trailers. Je pense qu'on va avoir un trailer prochainement sur le multijoueur, on va avoir un troisième trailer sur le zombie. Bon, le zombie c'est pas plus mal d'avoir un trailer, je pense, vu que c'est une nouveauté d'avoir mis un mode campagne dans le zombie. Ça permettra d'avoir une petite approche de à quoi s'attendre dans le mode campagne. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Par contre, le trailer du multijoueur, du solo plutôt, ils auraient pas dû le monter, même du multijoueur, juste zombie, tu vois, parce que voilà, les gens vont plus avoir de suspense. Moi je sais que j'évite à tout prix de regarder le maximum. J'ai juste regardé la vidéo analyse, la vidéo de monsieur Vedou, juste pour avoir son ressenti sur Black Ops 3, histoire de voir ce qu'il en a pensé vu qu'il avait joué au jeu. Et j'ai regardé la vidéo Skyros qui fait des bonnes vidéos là dessus sur les analyses des comment te dire ça, des différents des différents trucs qu'ils nous ont montré, quoi, des teasers qu'ils ont pu nous montrer, quoi. Il avait fait une analyse là-dessus qui était pas si mauvaise que ça d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est vrai que après, vu que je sais que je serais que ce que je dis ça presque à rien, parce que c'est plus à des gros youtubeurs de dire ce que je dis là, de dire, parce qu'ils seront plus, ils auront plus de chances d'être vus par la communauté de Call of Duty qui crée le jeu et qui mettent en place tous ces petites teasers, etc., ces bandes annonces des Call of Duty avant leur sortie. C'est vrai que ça serait plus approprié que ce soit des gros youtubeurs qui le fassent pour qu'ils aient plus de chances d'être entendus. C'est vrai que moi je dis juste ce que je pense, et ça peut peut-être, vu que ça va être un gameplay peut-être qui va être mis sur une chaîne communautaire, comme notamment je vais mettre sur la chaîne communautaire Code CF et Code QG, donc merci à eux s'ils m'upload. Donc voilà, donc sur ce je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est juste un petit aperçu de ce que je pense. Je pense qu'il faudrait décaler les annonces des Call of Duty à plus tard, ou alors garder le suspense jusqu'au bout pour que ça donne envie d'acheter le jeu et que tu arrives au magasin et te dis c'est pas un World at War, c'était un Black Ops 3. Ou alors par exemple tu arrives le 6 novembre 2015, je suis sûr que c'est Black Ops 3, et tu arrives chez Micromillion, il y a les grosses affiches Amy World at War 2, et ben là tu as la surprise et tu es content, ouais, ça permet d'avoir une suspense. Là il y a plus de surprise, on sait que c'est Black Ops 3, les grosses descriptions générales du jeu, que ce sera futuriste, etc. Donc voilà, on sait qu'il y aura un mode zombie, etc. L'avantage aussi, c'est que ça permet à la communauté à quoi s'attendre. C'est vrai qu'on sait qu'il y aura une bombe nucléaire aussi sur le multi, on sait qu'il y aura les mêmes matchmaking que sur Black Ops 2, on sait qu'il y aura un mode zombie. Donc c'est vrai que ça attire le monde à vouloir acheter le jeu, vu que Black Ops 2 a fait un succès. C'est vrai que pour eux, à faire l'annonce de Black Ops 3 avec des ressemblances à Black Ops 2, ça ne peut leur apporter qu'un succès. Donc voilà. Donc sur ce, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo assez longue, hein. Je pense que je mettrai deux gameplay vu qu'elle a été assez longue. J'avais pas mal de choses à vous dire. Ça m'a permis aussi de parler un peu de Black Ops 3. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vois que le concours marche très bien. Donc merci à vous de participer nombreux au concours. Donc désolé si je réponds pas aux commentaires que vous avez mis dans le concours. Mais tout simplement, j'ai pas trop le temps en fait de répondre aux commentaires. Si jamais j'aurais une petite après-midi libre, j'aurais pu le faire. Mais là, j'ai vraiment pas le temps. Et sachant que je vois qu'il y a pas mal de monde qui me demande. Je pense que vous avez pas entendu la vidéo. Mais le résultat du concours, le tirage au sort du concours sera donc fait le 8 mai. Donc vers le 9 ou 10 mai, vous risquez d'avoir... je vous annoncerai lors d'une vidéo qui sera le gagnant des 20 € PSN. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Sur ce, c'était Mister Kalam, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.
so I let her pill. She said I'm like a lollipop. 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 Yeah.